notre journal national, l'équipe l'a annoncé depuis pas mal de temps. Reynal Pedros donc est sur le flanc gauche de l'équipe. Autrement, nous retrouvons les mêmes joueurs qui étaient face à Israël il y a donc un mois, moins Ginola, dont on sait qu'il a eu des paroles assez dures, des propos assez tendus en début de stage. Le banc de remplaçants avec là aussi des hommes qui sont prêts à intervenir. On pense notamment au numéro 14, Youri Djorkaeff, l'homme en forme du football français. Et du côté des Bulgares, et bien là il n'y a pas eu de surprise. C'est l'équipe attendue que M. Penev présente au Parc des Princes. Les Bulgares doivent gagner pour se rendre aux États-Unis avec leurs attaquants vedettes Stoïkov, Kostadinov, Penev, Balakov, avec le gardien de but de Mulhouse, Mikhailov, le capitaine de cette sélection. Un Gallinacé. Oui, un Gallinacé, oui. Alors pour l'attraper, ça ne va pas être facile. Monsieur Motram se dirige à pas menu vers le Gallinacé. Cerné par Lamar, Roche. Oh, ça va être juste. Allez, plonge mon petit Laurent, non? C'est un poulet de grain. Oui, c'est un beau petit poulet. Ça me fait penser à la cassette dont François-Charles Bidot, notre réalisateur du jour, et Frédéric Jaillant ont assuré la mise en image qui s'appelle Le Foot en Folie. Il y a quelques petites images amusantes comme celle-là. Bon, ça peut durer un moment. Hein. Oui, élevé en plein air. Oui, oui. Bonne santé. Voilà. Ah, presque. Presque, presque. Et Emmanuel Petit, mais vous savez, il court vers la touche. Il a reconnu quelqu'un. Oui, il a des amis et sur le banc bulgare. Et Monsieur Motram applaudit. Superbe geste encore de Balakov. Svetlanov. Avec une faute de Deschamps, l'arbitre Monsieur Motram n'a pas sifflé. Deschamps sur le côté face à Ivanov, peut centrer. Papin. Oh, ah, il a voulu la donner. Oui. But de Cantona. Oui. Avec sur cette remise de Jean-Pierre Papin, Cantona catapulte le ballon. Ah, il y a mis tout son cœur. Oui. 19e but en sélection pour l'attaquant de Manchester United. Peut-être éviter les relances. Ah oui, il faut rester concentré à 200%, je dirais. Pas de relance hasardeuse. Surtout pas comme ça, parce que là, ça va lui faire très mal. Attention au corner de Balakov. Corner sortant. Bien frappé, bien frappé. Premier poteau, but de Kostadinov. Tête de Kostadinov, bien et frappé, voilà. Tendu. Cantona qui hérite du foulard de Papin, et non pas du bras. Ah oui, là. Ils avaient pris leurs précautions sur le banc de touche, ils avaient donné un brassard à Ginola. Il a donné à David Ginola, le centré. C'est Kremenliev qui va récupérer ce ballon. On est dans les 10 secondes de la fin du temps réglementaire. Penev loin devant, attention. Attention Kostadinov. Et but. Oh à 10 secondes. C'est la fin. À 10 secondes. À 10 secondes, Kostadinov qui m'a. Aïe 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 aïe, quelle catastrophe. 10 secondes de la fin. 10 secondes, c'est le but de Kostadinov. C'est la mise à mort. 10 secondes, même pas en jouet. Oui. Et un ballon là-bas sur le coup franc, alors qu'on avait un bon ballon à garder dans le coin. On l'a perdu. Kostadinov qui se rend dans les 16 mètres. Et sous la transversale, but imparable de Kostadinov. C'est la fin pour l'équipe de France. Qui, hélas, n'ira pas aux États-Unis l'été prochain. Ça, c'est une énorme déception, surtout la manière. On joue les arrêts de jeu. Oui, mais je crois que hélas, le ressort est cassé. On a joué avec le feu contre Israël. Et là, on est éliminé. Et France, voilà, non. La Bulgarie est qualifiée pour la World Cup, les larmes de Didier Deschamps. C'est la Bulgarie qui ira avec la Suède. Oui. Une réaction, Marcel Desailly. Un mot, Marcel, c'est une immense déception.
Non, Marcel Desailly qui ne souhaite pas parler. On ne va pas aller auprès des joueurs. C'est un moment de grande, grande tristesse. Il pleure, Marcel Desailly. Ils pleurent tous. Il n'y a que les Bulgares pour avoir un semblant de joie, c'est normal. Un mot de Basile Boli. Je suis juste à côté de Basile. Sans doute extrêmement déçu comme nous tous. Oh, c'est incroyable. Putain, je... Non, c'est inexplicable. C'est pas possible. Je crois que... Non, c'est inexplicable. C'est incroyable. Merci, Basile. Et le Parc des Princes silencieux qui communie vraiment. La tristesse, elle est sur les épaules de tous. D'un seul coup, le Parc des Princes s'est éteint. On allait fêter la victoire, on allait fêter la qualification. Et puis, il restait 10 secondes à jouer au chrono qui défilait. Et Kostadinov a crucifié l'équipe de France. Que dire ? Bernard Lama, un mot de Bernard Lama, j'imagine. On n'a pas envie. Ah, cette image de Didier Deschamps est terrible. Oui, évidemment, aucun joueur ne veut réagir. Personne ne veut réagir et on le comprend. C'est la tristesse, la déception. Même Ginola...